Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler sur un des plus grands élèves de Rabbi Nathan, Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali. Que Rabbi Naftali lui-même, il a eu le mérite d'être un des plus grands élèves aussi de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Et on ne peut pas s'imaginer en fait la grandeur de toutes ces choses, de toutes ces personnes-là. C'est vraiment inimaginable. Et la vérité, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, c'était un homme très très spécial, très très proche de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. D'un côté, c'était un Oved Hashem, et d'un autre côté, c'était un homme qui travaillait, c'était un homme comme simple Kavirchol. C'est très dur à expliquer tout ça, puisque d'abord, il faut comprendre quelque chose de très important. Même chez Rabbeinu et même chez Rabbi Nathan, ça se remettait encore et encore. Par exemple, chez Rabbeinu, il avait plusieurs catégories d'élèves. Rabbeinu, on va commencer depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Rabbeinu HaKadosh, il avait les élèves qui étaient complètement annulés à lui, qui n'avaient aucun de ce monde-ci. Ils n'avaient aucune shayachut de ce monde-ci. On peut dire que c'était Rabbi Nathan, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, Rabbi Yitzhak Leib, le Magid de Torovitze, Rabbi Yitzhak Mitirovitze. Et comme ça encore, il y avait encore plein des élèves qui n'avaient rien, ils n'avaient rien de ce monde-ci, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient que Rabbeinu HaKadosh dans le monde, la Torah, la Vodat Hashem, la joie, Chatzot, il voit des doutes, parler avec Hashem, y aller dans la forêt pendant la nuit, de crier, de pleurer Hashem. Il y avait une deuxième catégorie d'élèves, c'était les personnes qui étaient des tzadikim énormes, vraiment des très très grands tzadikim, mais aussi, ils travaillaient pendant la journée. Ça veut dire, c'est vraiment un conflit, puisque Rabbeinu, il est arrivé à prendre des personnes, qui étaient aussi dans ce monde-ci, mais d'un autre côté, ils n'avaient rien de ce monde-ci. C'est-à-dire, ils allaient travailler, ils vendaient si c'était des chaussures, ou alors si c'était du manger, ou alors si c'était des récoltes, du bois, comme avant ils faisaient. C'était des gens qui allaient travailler jour, mais d'un autre côté, quand on voyait comment ils se conduisaient la nuit, en se réveillant à Chatzot, en priant, en pleurant, c'est vraiment, on n'arrive pas à comprendre, mais Rabbeinu, il a eu le mérite d'avoir cette force-là, de prendre la personne de l'endroit là où il est, même si c'est un homme qu'on voit dans le jour, ou qu'on peut le voir, qui travaille, qui parle, et qui change de l'argent, et qui fait ce qu'il fait, mais en fait, il n'est pas là où il est, en fait, il est dans le monde supérieur, il est dans des mondes qui sont très très hauts. Il y avait la troisième catégorie, c'était les élèves les plus simples, qu'ils n'avaient rien du tout, eux, ils étaient très très simples. Ils n'arrivaient pas à étudier, ils ne connaissaient presque pas l'hébreu, ils savaient que le yiddish, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais ils venaient chez Rabbeinu, parce que Rabbeinu c'était un très très grand tzaddik. Et des fois, et Rabbeinu, ils parlaient à leur langage à eux, en leur disant de se renforcer dans la foi, et de ne pas tomber, d'y croire dans la Torah, dans la Vodat Hashem, et de que Kadosh Baruch Hu, il est assez grand, il est assez fort pour chacun. Et bien Rabbi Nathan, il avait aussi pareil, ces mêmes catégories. Rabbi Nathan, il a eu le mérite d'avoir des élèves très 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 grands, dans la Vodat Hashem, qui n'avait rien du tout de ce monde-ci. Par exemple, Rabbi Nachman de Toulchin, Rabbi Moshe Breslever, eux, c'était des élèves qui n'avaient rien du tout de ce monde-ci, rien du tout. La deuxième catégorie d'élèves aussi qu'il avait, c'était les gens qui travaillaient dans le monde. Ils travaillaient dans le business. Ils étaient obligés d'apporter un peu d'argent chez eux à la maison de la Parnassa. Mais d'un autre côté, quand on les voyait dans la Vodat Hashem, comment ils priaient, comment ils hurlaient à Kadosh Baruch Hu, comment ils pleuraient, ils se réveillaient à Chatzot, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. On ne pouvait pas y croire qu'un homme comme ça, il peut y aller après dans le chouk vendre des choses. Et bien Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il faisait partie de ces catégories-là. Nous, on va croire peut-être que ce n'est pas une des plus grandes choses, mais Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, on ne peut pas s'imaginer. D'abord, c'était l'élève, c'était l'ami le plus grand, le plus proche de Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. Et eux deux, ils ont grandi ensemble chez Rabbi Nathan. Quand Rabbi Naftali, il a eu cet enfant-là, Rabbi Ephraim, il a tout de suite envoyé chez Rabbi Nathan pour que Rabbi Nathan puisse l'apprendre et l'élever d'après les chemins de Rabbeinu. On sait que Rabbeinu, il a donné à Rabbi Nathan de conduire les enfants. Surtout Rabbi Nathan, c'était il avait une qualité spéciale plus que tous, c'est qu'il avait la force de rapprocher les Bnei Hanourim. C'est quoi les Bnei Hanourim? C'est les jeunes. Et d'ailleurs, tous les jeunes de Chassidei Breslev, il les envoyait tous chez Rabbi Nathan, puisque Rabbi Nathan, il avait la force. Il arrivait à les enflammer, à les donner dans la Vodat Hashem. Donc c'est ce qu'il a fait Rabbi Naftali, tout de suite après qu'il est né Rabbi Ephraim, et qu'il a grandi, qu'il commençait à avoir 6-7 ans, qu'il commence à comprendre un peu,
ce qui se passe dans le monde, tout de suite il a envoyé chez Rabbi Nathan pour que Rabbi Nathan le fasse rentrer tout de suite dans le travail, dans la Avodat Hashem. Et comme ça, Rabbi Ephraim, ben Rabbi Naftali, il a grandi dans la maison de Rabbi Nathan, en étudiant et en vivant une vie que Rabbi Noah Kadosh, il voulait qu'on mène. Et c'est devenu aussi, donc, comme ils étaient à peu près le même âge, le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, ils ont grandi ensemble, ils sont devenus des très très grands amis. D'ailleurs, ils ont travaillé dans le même travail. Rabbi Yitzhak et Rabbi Ephraim ben Naftali travaillaient à la poste. Et c'était vraiment des Ovdei Hashem, et Rabbi Nathan, il a appris à ses deux enfants, Kavirchol, à Rabbi Ephraim et Rabbi Yitzhak, comment il faut travailler d'après le chemin de Rabbeinu. De savoir qu'en vérité, tout ça, Kadosh Baruch Hu, et que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne la parnassa. Et c'est pas notre travail à nous que, parce qu'on travaille, alors on croit que c'est nous-mêmes qu'on apporte l'argent. Pas du tout. En fait, on travaille parce qu'il faut faire une toute petite ishtadlout. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas une émouna qui est complètement parfaite, d'être prêt à être mafkir le monde en entier. Alors, celui qui veut travailler, alors il va travailler, mais il faut savoir aussi qu'il faut donner beaucoup de tzedaka, il faut savoir qu'il faut, c'est aussi un travail de travailler, c'est aussi un travail de Dieu. Si on travaille d'après la volonté que Rabbeinu nous a appris, alors c'est un grand travail. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il a beaucoup demandé à Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali, et aussi à Rabbi Yitzhak, de donner beaucoup de tzedakot. Il donnait vraiment beaucoup de tzedakot. C'est eux qui ont payé le Kloïs, la choule de Breslev, c'est eux qui ont payé beaucoup de livres de Rabbeinu HaKadosh pour les imprimer, c'est eux qui ont aidé tous les élèves et l'entourage de Rabbi Nathan, tous les élèves de Rabbeinu et de Rabbi Nathan qui étaient complètement affamés, qui étaient complètement pauvres, c'est eux qui donnaient de l'argent. Ils ne croyaient pas que c'était des gens riches, c'était des gens qui étaient pauvres. Ils n'avaient pas assez d'argent, ils avaient à peine de quoi vivre, mais quand même ils donnaient leur argent beaucoup plus que le maaser et beaucoup plus que 10% ou 20%, ils donnaient presque la moitié de tout leur argent. Des fois ils donnaient beaucoup plus, des fois ils empruntaient de l'argent pour Rabbi Nathan et c'était eux-mêmes qui devaient rendre l'argent. C'était des gens de très très grands tzaddikim. Donc Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, c'était une des personnes les plus grandes. Donc vraiment, c'est très dur à s'imaginer quand on sait que c'est le fils de Rabbi Naftali. Rabbi Naftali, bon, c'était un homme, c'était la pointe des élèves de Rabbeinu HaKadosh, après Rabbi Nathan, c'était la pointe la plus grande. Rabbi Naftali, c'est le deuxième placé le plus haut des élèves de Rabbi Nathan, de Rabbeinu HaKadosh. Et bien son fils Rabbi Ephraim, c'était vraiment quelqu'un de très 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 grand. Vraiment c'est... Quand on commence et quand on apprend, quand on commence à lire un peu les histoires qui se sont passées, on n'arrive pas à comprendre comment un homme d'un côté, il était complètement enlevé, complètement détaché de ce monde-ci, et d'un autre côté, il était aussi dans ce monde-ci, on n'arrive pas à comprendre les choses, comment il marche. C'était ça Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, c'était ça. Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il a eu le mérite encore de voir Rabbeinu quand il était tout petit. Rabbeinu lui a fait une grande bracha. Et il a eu ce mérite-là. Rabbi Yitzhak, il n'a pas eu ce mérite-là. Rabbi Ephraim, il a eu le mérite. Donc déjà, pour s'y connaître, pour penser, pour voir Rabbi Ephraim, il a eu le mérite de voir la figure sainte, la lumière de Rabbeinu HaKadosh, de son vivant, dans, comme son corps, comme HaKadosh Baruch Hu, il a mis. Ça, c'est une chose. On raconte sur Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali. Un jour, il était dans le chemin et il devait dormir dans une ville. Il était en train de voyager. Il est rentré dans une ville et là-bas, il connaissait des élèves de Rabbeinu HaKadosh qui habitaient là-bas. Alors, il a passé là-bas la nuit. Il est resté là-bas aussi le matin, la journée, pour continuer son voyage. Et après qu'il est parti de l'endroit là où il était, après qu'il ait dormi et qu'il est resté chez cette personne-là, pour la nuit, pour continuer son voyage. Alors, cet élève de Rabbeinu là qu'il avait invité à Rabbi Ephraim, les gens qui habitaient à côté de lui, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit, mais c'est qui cette personne que tu as invité chez toi à la maison hier? Alors il a dit, c'est quelqu'un de grand, c'est le fils de Rabbi Naftali, qui est connu, l'élève de Rabbeinu HaKadosh. Ils ont dit, c'est... On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Alors il leur a demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je sais pas, on a vu chez lui que la moitié de la journée, c'était comme lui pour Yom Kippour, et la deuxième moitié de la journée, c'était pour lui comme Simchat Torah. Ben, ça veut dire quoi? Il a dit, au début de la journée, ça veut dire qu'il s'est réveillé la nuit, on a vu que depuis qu'il s'est réveillé la nuit, de minuit jusqu'à midi, il pleurait, il faisait les Tehillim, il faisait des Tfilot, il se roulait par terre, il criait à Hachem. Comme si c'était Yom Kippour, il demandait pardon.
Et au moment où c'est venu midi, la moitié de la journée, j'ai commencé à danser, à chanter, à se réjouir, à dire bonjour à tout le monde et à éclaircir tout le monde avec un beau sourire. Alors ils ont demandé comment un homme il peut vivre comme ça, comment ça se peut d'un côté il est tellement triste, on croyait qu'il avait des problèmes, et d'un autre côté après on a vu comme si que tout est parti, comme si qu'il n'y a rien, il était tout joyeux. Alors cet homme-là, l'élève de Rabbeinu, il a dit, ben c'est comme ça en fait. C'est ça le travail d'un vrai tzaddik. Cet homme-là, la moitié de sa journée, il y a 24 heures. De 12 heures à 12 heures, de minuit à midi, c'est Yom Kippour pour lui. Et de midi à minuit, c'est Simchat Torah, c'est la joie, c'est la vie, c'est ça. C'est ça l'Ovdé Hachem. Imaginez-vous un homme comme ça. Et bien un homme comme ça, c'était un homme que c'est, il était aussi enfoui dans ce monde-ci quand même. Il arrivait à se mettre dans ce monde-ci, à apporter la parnassa chez lui à la maison. Et en vérité, si on veut savoir, le Hémet, la mytho, il n'était pas du tout attaché à ce monde-ci. Même qu'on pouvait le voir rentrer, parler avec des gens, comme si c'était un homme normal, comme si c'était un homme qui ressemble à tous. En vérité, ce n'était pas comme ça. En vérité, cet homme-là, c'était un homme qui était complètement détaché de ce monde-ci. C'est ça la force de Rabbeinu HaKadosh. Il arrive à faire rentrer à ses hommes, et à ses élèves, à son entourage, une lumière qui est tellement grande, une lumière qui est tellement forte, d'arriver à enlever tout ce qui appartient à ce monde-ci, de ne pas du tout être attaché et être impressionné de ce qu'il y a dans ce monde-ci. C'est ça la grandeur, c'était ça, on pouvait voir de nos yeux l'exemple, le parfait, c'était Rabbi Ephraim de Rabbi Naphtali. On raconte une histoire un jour sur Rabbi Ephraim de Rabbi Naphtali. Un jour, un des chassidim de Breslev, il est parti dans le souk. Il est parti là-bas pour acheter du manger, pour acheter des choses qu'il avait besoin. Donc il était en train de marcher dans le marché, comme ça, dans le souk. Il allait de marchand en marchand. Et il est arrivé à la place là où il y avait Rabbi Ephraim de Rabbi Naphtali, que lui aussi il vendait des choses. Et il le voyait qu'il n'était pas du tout en train de vendre, il était complètement derrière. Il a tout laissé comme ça, comme si qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se tenait derrière tout ça. Et il le voyait qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Alors cet homme-là, il a vu, il a dit quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il, pourquoi il pleure Rabbi Ephraim, peut-être qu'on lui a volé une marchandise, peut-être qu'on l'a roulé, je ne sais pas. Alors il a continué à marcher, il a fait ce qu'il a fait besoin d'acheter, il est revenu, il a vu que Rabbi Ephraim l'a invité. Il se tient encore dans la même position, en train de pleurer en plein milieu du chouk. Il a dit, mais il est fou ce Rabbi Ephraim ben Rabbi Naphtali. Il veut vendre ou il veut faire quoi? Je ne comprends pas. Il est dans le chouk, c'est maintenant, c'est une jour par semaine qu'on peut vendre, qu'on peut avoir la parnassa. Et lui, il se tient, il pleure. Alors il est parti derrière, il est venu chez Rabbi Ephraim. Il lui a dit, Rabbi Ephraim, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je peux t'aider, il s'est passé quelque chose. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me suis rappelé que la Torah. Que Rabbeinu, il parle dans le Likutey Moharan. Rabbeinu, il parle dans le Likutey Moharan sur le pasuk Vaya Machanecha Kadosh. Vaya Machanecha Kadosh, ça veut dire que ton entourage, l'endroit là où tu es, qu'il soit saint. Rabbeinu, il a appris que surtout sur ces mots-là, que c'est très très important, c'est très très important qu'un homme, il doit garder sa pensée, surtout quand un homme il travaille dans ce monde-ci. Il travaille dans le business pour apporter son gagne-pain. De ne pas laisser ses pensées se lâcher complètement. De attraper, comme Rabbeinu il a dit que les pensées, c'est comme un cheval. Si le cheval n'attrape pas les mèches, c'est-à-dire les moshrotes, alors le cheval il va là où il va. Mais si tu attrapes les moshrotes, si tu attrapes les cordes qui tient le cheval, alors c'est toi-même qui arrive à emmener là où tu veux, si c'est à droite, si c'est à gauche, si c'est pour voyager plus droit. Et bien la pensée, c'est exactement la même chose. Si tu l'attrapes pas, elle y va, elle vient là où elle veut. Et c'est très dangereux, surtout quand un homme y travaille, parce que quand un homme y travaille, il se fait rentrer dans sa tête que c'est lui-même qui s'apporte de l'argent, et que c'est pas Dieu qui lui donne l'argent. Et Rabbi Ephraim ben Rabbi Naphtali, il lui explique tout ça, il lui dit, maintenant je me suis rappelé que dans l'Ikuté Moran, il y a écrit qu'il faut attraper, il faut rendre son mahané, il faut rendre l'endroit là où il est, surtout ses pensées, que tout ça vient de Dieu, que toute la parnassa c'est de Dieu. Ça m'est rentré un éveillement profond. Je me suis rappelé comment Rabbi Nathan, il le disait, combien de fois Rabbi Nathan, il nous a parlé de ça.
Et ça m'a fait réveiller, ça m'a touché, j'ai commencé à pleurer. Et c'est connu, Rabbi Rabbeinu HaKadosh, il écrit dans le Sichot Aran, c'est écrit plusieurs fois dans le Sichot Aran, que des fois un homme il marche dehors, il dit Rabbeinu, et d'un coup il sent quelque chose de très haut. Il sent comme un lien spécial, plus que un lien qui, d'un coup il se sent très proche de Dieu. Alors il dit Rabbeinu, il faut surtout pas qu'il bouge. Parce que normalement, c'est quelque chose qui s'est passé que c'est justement dans l'endroit là où il est. Donc il faut qu'il reste dans l'endroit là où il est jusqu'à que ce sentiment-là il part. Et il dit, c'est pour cela, j'étais ici dans cet endroit-là et d'un coup cet éveillement-là il s'est réveillé en moi. Alors je n'ai pas bougé de l'endroit où je suis. Et jusqu'à maintenant, je n'arrête pas de pleurer en pensant et en me souvenant. Tout ce que Rabbi Nathan et tout ce que Rabbeinu il parle dans l'écouté Mora et dans toutes les conversations qu'on a parlé dans tout ça. Et ça m'a tellement touché, c'était un sentiment qui était tellement fort que je n'ai pu rien faire. Donc ça, c'est un exemple pour comprendre et pour voir c'était qui Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naphtali. Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naphtali, on pouvait dire que c'était un homme du Massa Umatan, c'était un homme qui va dehors à droite et à gauche pour amener son gagne-pain, mais en vérité, il était complètement pas du tout dans ce monde-ci. Ça, c'est une des histoires pour comprendre un petit peu c'était quoi la personnalité de ce Rabbi Ephraim ben Rabbi Naphtali. Entre parenthèses, pour vous expliquer, je l'ai déjà dit ça plusieurs fois dans toutes les histoires qu'on a racontées, que c'est très dur de raconter des histoires sur les chassidim de Breslev. D'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'on peut entendre beaucoup d'histoires, et d'ailleurs, toutes les histoires qu'on a racontées aussi dans les autres cours, ce ne sont pas des histoires que, comme on peut entendre sur les élèves du Baal Shem Tov, ou alors sur le Harizal et les élèves du Harizal, ou alors des très très grands tzadikim qui ont fait des miracles, ou alors qu'on a trouvé des super belles histoires qu'on peut raconter. Non, les élèves de Rabbeinu et les entourages et les élèves des élèves, ce sont des personnes qui sont très spéciales. Leur travail à eux, c'est leur travail, c'est entre eux et Dieu, lui seul, c'est tout. Personne ne savait de leur Avodat Hashem, personne ne savait de leur travail qu'ils faisaient, personne ne savait de leur renforcement et de leur éveillement et de leur renouvellement, comment ils se renouvelaient dans la Avodat Hashem. Tout ce qu'ils faisaient, ils ne le racontaient pas à leurs femmes ou à leurs amis pour avoir après de l'honneur ou alors pour avoir de la gava. C'était pas ça les élèves. Donc c'est pour cela que sur les élèves de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, c'est très dur de raconter des histoires. Parce que les histoires, pour y trouver ce qui se passait avec eux, il fallait chercher et fouiller et fouiller et fouiller pour trouver peut-être quelque chose qu'on peut raconter à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que les histoires, elles sont d'abord toutes petites, mais en fait, en vérité, pour vivre les histoires des élèves de Rabbeinu et des élèves de Rabbi Nathan, ce n'est pas les histoires comme une histoire avec un commencement dur et une fin qui est bien comme dans tous les films. C'est pas ça en vérité. L'histoire, c'est d'apprendre comment ils vivaient leur vie. Ça peut être sans problème, ça peut être sans commencement ni fin, ça peut être juste quelque chose comme ça, très simple, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Eux, ils ne le vivaient pas en mentant. Ce n'était pas un mensonge. C'était vraiment comme ça. C'est ce qu'ils le pensaient. C'est ce qu'ils le ressentaient. C'était toute leur vie. Et nous, on doit apprendre de ça. C'est pour cela, les histoires comme ça, c'est très dur à les raconter. Mais c'était ça, en fait. Il fallait le vivre. Eux, ils vivaient leur vie. C'était une vie d'Avodat Hashem. C'était une vie de travail. C'était pas du tout un mensonge. C'était de savoir vivre d'après les enseignements de Rabbeinu HaKadosh. Que Rabbeinu HaKadosh, ce n'est pas encore un autre tzaddik, ou alors un autre livre, ou alors des enseignements, des bons conseils qui sont ailleurs, ou à part, ou autrement. Non, c'est fait partie de la vie d'un homme. Ça fait vraiment partie de la vie d'un homme. Sans ça, il ne vit pas. Il faut arriver à ce travail-là. Et c'est ça, Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naphtali. C'était un exemple qu'on pouvait le voir sur lui, comment il arrivait à avoir cette qualité de vivre d'après les enseignements de Rabbeinu HaKadosh. Et ça, sa grandeur. Donc on voit ce qui s'est passé dans le chou. Que son ami, il a vu qu'il pleurait en plein milieu de. Normalement, il devait travailler, il devait crier, qu'est-ce qu'il veut venir acheter, qu'est-ce qu'il veut venir acheter. Ben non, il a préféré de pleurer, de se mettre dans le but de ce monde-ci, de penser au but, que ça va venir un jour où on va l'enterrer dans la terre, et qu'alors il va venir devant HaKadosh Baruch Hu, et qu'il va commencer à donner tout ce qu'il avait dans ce monde-ci. C'est ça qu'il pensait, c'est ça qui le préoccupait, c'était pas la marchandise qu'il avait dans le chou. Et tout ça a été grâce à Rabbi Nathan, grâce aux enseignements de Rabbi Nathan. Je voudrais vous lire
une lettre qu'un jour Rabbi Nathan il a écrit à Rabbi Ephraim, des enseignements, des conseils, comment il faut faire. Ça veut dire, Rabbi Nathan il lui a dit, moi, normalement la vérité, le Emet, la Mito, c'est de enlever le monde complètement, de les laisser efker. Et si tu ne peux pas, parce que c'est pas ton niveau, c'est très dur pour toi de complètement enlever, alors tu peux aller travailler. Mais pour travailler, il faut que ça soit d'après les conditions de Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui dit, alors Rabbi Nathan il lui dit, il lui a écrit une lettre, ce sont quoi les conditions qu'un Breslever, il veut aller travailler, il faut avoir des conditions. C'est quoi les conditions que Rabbeinu lui dit? Alors il commence à lui expliquer, à lui lire. Et cette lettre-là, Rabbi Ephraim de Rabbi Naphtali, il l'a mis dans sa poche et toute sa vie était dans sa poche. Il n'arrêtait pas de la regarder pour se rappeler bien comment il faut se conduire. Et je vais vous la lire et je vais vous la traduire. C'est quelque chose de merveilleux. « Aouvi Rabbi Ephraim, mon amour, Rabbi Ephraim, il dit Rabbi Nathan. Zechor et Brocha. D'abord, surtout, il faut se rappeler de ton Créateur. Gam betoch hachanout, même dans ton magasin. Rappelle que tu es, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui t'a créé. Rappelle-toi de Dieu à chaque fois. Filou betoch avol ki bichon rossia. Ça veut dire même dans le marsan, c'est-à-dire même dans ton grenier, là où tu mets toutes tes marchandises. Et que tu dois savoir comment faire la marchandise, comment la vendre, comment la. Même là-bas, rappelle-toi de Dieu. Va'al yu be'enecha keyeshanim. Surtout, les paroles de tout ce que Rabbeinu il a dit, que ça ne soit pas ancien chez toi. Divrei Adonai no moreinu Rabbeinu Zal Shamar, qu'il a dit Rabbeinu dans la Torah 33. Chez Bechol et Shonot Agoui, Mishotiot à Torah. Rabbeinu dans la Torah 33, c'est une Torah qui est très merveilleuse. Rabbeinu il parle là-bas sur tous les langages des autres peuples. Il dit là-bas, Rabbeinu, que dans les langages des autres peuples, et ben même dans leur langage à eux, il y a des étincelles saintes que Akadosh Baruch Hu, il a cachées. Même dans ces endroits-là. Il y a des étincelles qui sont très saintes, qui sont attachées là-bas. Et ça veut dire quoi qu'il y a des étincelles saintes? Ça veut dire qu'on peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, même quand on doit parler le langage d'un goy, comme chez eux, c'était de parler le russe. Parce qu'ils étaient en Russie. Alors il a dit, même si tu dois parler avec des goïms, sache que même là-bas, Kadosh Baruch Hu, il a fait rentrer des étincelles saintes, même dans le langage. Alors tu peux t'attacher à Kadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'il y a, par rapport aux étincelles qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis là-bas. Kibevadai, lobata le midazu. Parce qu'il dit Rabbi Nathan à Rabbi Ephraim, parce que pour un homme comme toi, c'est pas très bien de rester toute la journée chez tes chefs, bachanout kolayom. Que tu vas rester dans ton magasin toute la journée. Juste, ça suffit pour juste que tu te rappelles que dans tout ce qu'il y a, qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, même dans les choses les plus matérielles qui puissent exister. Parce qu'un homme qui est complètement éloigné de Dieu, chez Noyodam Iseklum, qui ne connaît rien de tout ça, que Dieu il est partout, un homme comme ça, c'est sûr qu'il ne pense pas à ça, que Dieu il peut être partout, même dans les choses les plus loin, même dans des langages. De Goïm. V'yoshveoel betamidrash kolayom. Maintenant, l'autre catégorie, les gens qui s'assoivent toute la journée dans le betamidrash, qui étudient là-bas, et nan tsikhim ezekolkar, et bien même eux, ils n'ont pas besoin de cette étude-là, de savoir que même dans les langages des autres peuples aussi, il y a Kadosh Baruch Hu. Parce qu'eux, ils ne parlent pas avec des Goïm, puisqu'ils sont dans le betamidrash toute la journée. Mais toi, tu es entre les deux. Toi d'un côté, tu es dans le Betamidrash presque la majorité de toute la journée, mais aussi tu vas travailler. Et quand tu vas travailler, tu vas être avec des personnes qui sont très loin de Dieu, et même des goyim des fois. Et donc toi, tu dois faire ce travail-là que Rabbeinu il a parlé. Et puisque toi-même, Baruch Hashem, grâce à Dieu, toi, Baruch Hashem, t'étudies dans le Betamidrash de Rabbeinu HaKadosh. Mais t'es obligé de sortir tous les jours alcool pour apporter du pain à manger à la maison. Alcool, panim, c'est pour cela, je te ordonne, dit Rabbi Nathan, tekayem smars voulum, etc. Alors, soit comme le fils de Yaakov Avinu, zevoulum. Velir kol de chol yom bemarshava ou bemasse, imagine, il est écrit là. Et essaye de penser comme si, de t'imaginer comme si que tu danses toute la journée. Si c'est en s'imaginant, ou alors si c'est en le faisant vraiment. Aide shitiskor batvarim. En étant content que tu as eu le mérite de connaître des enseignements que Rabbeinu nous a donné, que même si un homme il est dehors, qui doit travailler et amener son gagne-pain, même là-bas il peut être Oved Hashem. Kael avec Kael, et tu connais encore et encore des autres conversations que Rabbeinu nous a parlé, ve'az tov lacha la netzar. Si comme ça tu vas te conduire,
il sera bien pour toi à tout jamais. Divrei Ohavcha Be'emet Nathan, les paroles de ton ami, ton amour, Nathan. C'était Rabbi Nathan. Donc de là, on voit la grandeur, comment il a eu le mérite, mon Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, d'être vraiment un homme qui est complètement, qui marche, qui se conduit, qui vit tout par rapport aux enseignements de Rabbeinu HaKadosh et de Rabbi Nathan. Il a eu le mérite que ces deux, son père matériel et son père spirituel, les deux ensemble, c'était des gens les plus hauts niveaux, des personnes qui étaient vraiment complètement qu'avec Dieu. Et aussi, il ne faut pas oublier que Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali, c'était un des cinq élèves qu'il a eu le mérite de rester avec Rabbi Nathan, même quand il a eu la plus grande machloquette qu'il y avait. Que Rabbeinu HaKadosh, il avait dit ça en prophétie déjà avant, qu'il y aura un jour où il y aura à peine cinq élèves qui seront des chassidim Breslev. Et Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il a eu le mérite que c'était tellement dur et qu'ils étaient vraiment presque condamnés à mort. Ils les ont presque condamnés à mort. Ils les ont permis, les grands rabbinim, ils les ont permis de tuer tous les chassidim Breslev. Donc ils étaient en sakanat nefashot. La majorité des chassidim Breslev, ils sont partis ailleurs. Ils sont pas restés à Breslev. Ils sont partis ailleurs, très loin, en Roumanie ou alors en Pologne, pour ne pas rester dans la machloquette. Mais les cinq les plus forts, un des cinq, c'était Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali. Donc de là, on peut apprendre, on peut s'imaginer la grandeur d'une personne comme ça. Que même qu'on croit que peut-être, ça se peut qu'il sort et qu'il va dans le chou, qu'il va vendre des choses. Mais en fait, il est très loin, il est vraiment très très loin de tout ce qu'on croit et de tout ce qu'on s'imagine. Et aussi, Rabbi Ephraim, lui, il habitait à Kremenchuk. Kremenchuk était une ville qui était à côté, c'était l'entourage, à côté de Breslev, de Ouman, de Nemirov. Et à chaque fois que Rabbi Nathan, quand lui aussi il voyageait, puisque Rabbi Nathan il voyageait beaucoup, Rabbi Nathan n'était pas assis chez lui à la maison tranquille et peinard sans rien faire. Rabbi Nathan, toute sa vie, c'était un homme qu'il allait dans chaque ville, là où il y avait des chassidim Breslev, pour les parler, pour les réveiller dans la Avodat Hashem, pour les ramener, pour leur réveiller, leur rappeler, réveillez-vous, à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, il faut se rapprocher de Rabbeinu. Rabbeinu nous a donné des conseils, il nous a donné des paroles, il nous a donné tout ce qu'il faut, il faut se réveiller, il faut rentrer dans la Avodat Hashem. Et Rabbi Nathan, toujours, il voyageait dans toutes les villes, là où il y avait des Breslev, il voyageait dans toutes les villes, en fur et à mesure, deux, trois fois dans le mois, quatre fois. Il allait 4-5 fois par an dans toutes les villes là où il y avait Rabbeinu. C'est beaucoup de villes. Et avant, il n'y avait pas de voiture. Avant, c'était très dur de voyager. Et bien, Rabbi Nathan, il allait, il se fatiguait, il allait parler. Quand il arrivait à Kremenchuk, où il allait habiter chez Rabbi Ephraim, parce qu'il savait que Rabbi Ephraim, et vous savez, là-bas, il y avait des grands tzadikim. Et vers Rabbi Shimon, l'élève de Rabbeinu HaKadosh. Le Shamash, le premier élève de Rabbeinu HaKadosh. Le Shamash de Rabbeinu HaKadosh. Et ben, quand même, il n'allait pas chez Rabbi Shimon, il allait chez Rabbi Ephraim. On peut dire parce que c'était par honneur. Rabbi Shimon, c'était un homme qui était très grand, il était aussi plus âgé. Mais quand même, il allait chez Rabbi Ephraim parce que là-bas, il avait du Nachatroir, il avait du Yishuvadat, il se sentait très là-bas très très bien. Et on voit plusieurs fois, plusieurs lettres. Rabbi Nathan, il écrit à son fils, à Rabbi Yitzhak. Il a dit, je suis venu chez lui à la maison, je ne l'ai pas vu, et j'étais tellement mal, je me sentais très pas bien. Rabbi Nathan, il avait un lien spécial avec ses élèves, surtout avec les cinq. Rabbi Ephraim, Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Nathan de Tveria, Rabbi Nachman de Tulchin, Rabbi Yitzhak et Rabbi Mordechai. Il avait un lien très spécial et très fort, il était vraiment attaché à eux, c'était plus que leurs enfants. Quand ils arrivaient chez eux et qu'ils ne le voyaient pas, ou alors quand ils venaient à Ouman et qu'ils ne les voyaient pas, il n'était vraiment pas bien, il se sentait très pas bien, il était très mal, il sentait qu'il manque quelque chose. Il sentait vraiment comme une épine qui était dans son pied, c'était très dur pour lui. Il était attaché, c'était dans sa tête et dans son cœur, il les aimait vraiment. C'était une amour qui était très grande, une amour que, en fait, tout dépendait de l'amour qu'il y a entre le tzaddik. C'était une amour pour se rapprocher au but, pour se rapprocher au tzaddik et à la Avodat Hashem. Il y a plusieurs, on voit dans plusieurs Mirtavim, dans plusieurs que, combien il parle à Rabbi Nachman de Tulchin, et il parle à son fils, et il dit, je comprends pas où il est Rabbi Ephraim, et je l'ai cherché, je suis vu là-bas, essaye de voir s'il va bien, s'il va pas bien, s'il est malade, s'il est pas malade, comment sa famille elle vient, si elle va bien, si elle va pas bien. Dans plusieurs élèves, dans plusieurs lettres, dans la lettre numéro 337, dans la lettre numéro 445, on peut voir dans plusieurs élèves, dans la lettre 94, dans la lettre 442, dans la lettre 445, dans la lettre 314. On ne peut pas s'imaginer combien Rabbi Nathan, il répète.
Et Rabbi Ephraim aussi, il a eu le mérite, comme on a dit au début, comme c'était un homme qui travaillait. Alors Rabbi Nathan, il n'a pas laissé tranquille. Il a dit, si tu travailles, il faut que tu saches que tu sois fort dans la tzedaka. Maintenant, tu as les moyens, il faut que tu fais la messerot nefesh dans la tzedaka. Et il lui a presque obligé de lui donner beaucoup d'argent pour imprimer le Likutei Halakhot. Donc dans l'histoire qu'on a raconté le cours d'avant, quand Rabbi Nachman de Toulchin est parti imprimer le Likutei Halakhot, eh bien, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali a donné une somme qui était très très grande. Même que c'était un homme qui n'avait pas assez, ça veut dire qu'il ne vivait pas dans le luxe, dans toutes les choses comme ça. Eh bien, quand même, il est parti, il a donné. Il a aidé la famille de Rabbi Nachman Toulchin quand Rabbi Nachman Toulchin est parti pendant un an imprimer les livres. Il a aidé plein d'élèves de Rabbi Noah Kadosh et de Rabbi Nathan. C'était ça Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali. Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il était tellement attaché à Rabbi Nathan. Et ça vraiment, on peut le voir, c'est quelque chose de vraiment inimaginable. On n'arrive pas, c'est pelé, c'est quelque chose de... Vraiment, c'est quelque chose de pelé. C'est que Rabbi Ephraim et Rabbi Naftali, tellement il a écouté, et tellement il a entendu des torotes que Rabbi Nathan, il a parlé, que sa tête à Rabbi Ephraim, elle marchait exactement comme Rabbi Nathan. Sa pensée, il pensait exactement comme Rabbi Nathan. Même son parlement, il parlait comme Rabbi Nathan. Son écriture est exactement comme l'écriture de Rabbi Nathan. Puisqu'aujourd'hui, on peut voir des manuscrits, on voit c'est exactement l'appareil, il n'y a aucune différence. Et Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il a eu le mérite d'écrire un livre. Aujourd'hui, ce livre n'est presque pas publié. Il y a à peu près 50 ans qu'on l'a sorti, ce livre, une seule fois, et depuis, il n'en reste plus. Ce livre-là, il s'appelle Likutei Even. Even, c'est le Rachetevot Ephraim ben Naftali. Et le Likutei Even, quand on ouvre ce livre, il a écrit exactement comme Rabbi Nathan le Likutei Halakhot. Et c'est aussi pareil par rapport au Shulchan Aruch. Bichot Hashkamat HaBoker, Netilat Yadayim, Bichot Filim. Et si on l'ouvre et qu'on ne voit pas ce qui a écrit Likutei Even, on peut croire que c'est vraiment complètement comme Likutei Halakhot. C'est tout. Il a expliqué exactement comme Rabbi Nathan. Toute son explication, son écriture, on voit la forme de son explication, comment il explique et comment il fait descendre les choses. C'est mamash comme Rabbi Nathan. De là, on voit comment un homme, il était tellement proche de Rabbi Nathan. Quand on voit ça, c'est vraiment, ça peut éblouir la personne. Et je vais vous lire quelque chose. On voit comment Rabbi Ephraim, il était humble, comment il avait de l'humilité. On peut voir la grandeur de Rabbi Naftali. Je vais vous lire ce qu'il a écrit dans le Likutei Even, dans l'introduction. Il écrit comme ça. Ubikashti, je demande, il dit Rabbi Ephraim, et chol mi shehabit beze akrar, à tout celui qui regarde ce livre-là, yedinen il ekafsrut behemet, qui puisse me juger du bon côté, du point positif, qui adapte, parce que je sais vraiment, chez Enbi, qu'il n'y a pas en moi, à filou mida achat, même une seule qualité, mi machinirtav bakrachazé, de ce qu'il y a écrit dans ce livre-là. Valvai jaiti kotvam birachamaim, et alvai, je demande à Dieu que je puisse l'écrire avec de la crainte de Dieu. Et même ça, ça m'aurait suffi si j'aurais de l'Ayrat Shamayim et je l'aurais écrit de l'Ayrat Shamayim. Avaliadati, mais je sais vraiment, Benafshi, en moi-même, à émettre la mytho, la vraie vérité. Et ach, nichtevu, bezignan, comment ils ont été écrits? Ach, Hashem, itbach, yodea, émettre, mais Dieu, il sait la vérité. Chez Ilou, imshor, misetova, leaba, que si, grâce à ce livre, il y aura une seule bonté qui va se passer dans ce monde-ci, que peut-être un homme, il va le lire et qu'il va avoir une mytho de tchouva. Que grâce à ça, moi-même, je pourrais me sortir de l'obscurité que je vis et de toutes mes mauvaises pensées. Moshe Katav Rabbeinu Zal, comme que Rabbeinu, il a écrit, que quand un homme, il pense dans la Torah, grâce à ça, il est sauvé des mauvaises autres pensées. Et que grâce à ce livre, je puisse faire tchouva et revenir vers Dieu. Ça veut dire, imaginez-vous, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il se croyait complètement rachat. Il se croyait le plus bas de tous les plus bas. Et il dit, moi, j'ai pas du tout le mérite d'écrire un livre comme ça. Parce que tout ce que j'ai écrit là-bas, de toutes les qualités que je parle, j'en ai même pas une seule de tous. Donc c'est pas bien que moi j'écris sur des qualités que moi-même je ne l'ai pas. Il a dit, je vous promets que j'ai rien de tout ce que j'écris, j'ai rien. Et je sais exactement comment je suis et comment je me conduis. C'est pour cela que tout le monde puisse me juger du bon côté et du kafsrout, que la seule raison pour laquelle j'écris ce livre, c'est que s'il y a une seule personne qui pourra se réveiller pour revenir vers Dieu, alors grâce à ça, j'ai tout fait et ça me suffit, et que grâce à ça, moi-même, je puisse faire tchouva. Imaginez-vous, c'est quoi Rabbi Ephraim, la grandeur de cette personne-là, en écrivant un livre
Et en étant tellement attaché à Kadosh Baruch Hu, à Rabbeinu, à Rabbi Nathan, à ses élèves, et comme ça il parle, comme ça il y pense vraiment. C'était pas pour jouer une personnalité ou quelque chose comme ça. Comme tous les autres Chassidei Breslev, et comme tous les autres qui étaient attachés à Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu HaKadosh, il a tellement parlé sur l'Eretz Israël, et Rabbi Nathan surtout. Alors Rabbi Ephraim, pareil, lui, une de ses plus grandes volontés, c'était aussi d'arriver, d'avoir le mérite de voyager en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël. Mais Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il a pensé, il a dit qu'il a peur que s'il voyage en Eretz Israël, il va se passer un problème, et qu'à cause de ça, il ne pourra pas voyager à Rosh Hashanah ou Man d'Eretz Israël en Russie. Alors il a peur de voyager en Eretz Israël. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Ephraim? Il a attendu à la fin de ses jours, c'est-à-dire quand il avait plus de 80 ans, il a dit maintenant, là c'est un honnête. Là, même si je veux, je ne peux pas voyager. Donc c'est maintenant le temps de voyager en Eretz Israël. Comme ça, de là-bas, c'est impossible que je puisse voyager à Ouman, parce que j'ai déjà 80 ans, de prendre de voyager, c'est quelque chose de très très dur. Alors à l'âge de 80 ans, tout vieux comme il était, et avec des grandes maladies, il est parti habiter en Eretz Israël. Il a eu le mérite, c'est le seul des Chassidei Breslev qui a eu le mérite d'habiter à Yerushalayim, à côté du Kotel Maravi. Sa maison, elle faisait 4 mètres sur 4 mètres, pas plus que ça. Lui et sa femme, ils habitaient là-bas. Un des Chassidei Breslev, un jour, est parti le voir, c'était Rabbi Nathan de Tveria. Il a vu là où il habitait, il a pleuré. Les murs étaient tout noirs, il n'avait vraiment rien. C'était la pauvreté la plus grande. Et il a vu le sourire de Rabbi Ephraim qui était tellement grand. Il a dit, il a regardé, il a dit, mais comment on peut vivre? Il a dit, mais on habite en Eretz Israël. J'ai tout ce qu'il me faut, il ne me manque rien du tout. J'ai les livres de Rabbeinu, j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai tout le reste, c'est rien du tout. Et comme ça, il habitait dans une seule pièce qui était carrée, 4 sur 4, c'est tout ce qu'il avait, c'est comme ça qu'il habitait. Il a eu le mérite là-bas d'habiter à l'âge de 80 ans. Mais la même année là où il est arrivé, Rosh Hashanah s'est rapproché et il s'est dit, je ne peux pas rester ici, il faut que je voyage, même si j'ai 80 ans et même que c'est inimaginable, ça, c'est infaisable. C'est infaisable pour un homme comme moi de voyager. Et bien quand même, il ne pouvait pas, il avait ses sentiments plus que tout. Alors il a pris le bateau à 80 ans, il est parti voyager là-bas, il était très malade. Quand il est venu à Rosh Hashanah, il a fait Rosh Hashanah, mais là-bas il ne pouvait plus revenir. Il était tellement très malade qu'il ne pouvait plus revenir. Et il est resté là-bas jusqu'à qu'il est mort Erev Sukkot. Il est mort Erev Sukkot, il a laissé sa femme, la pauvre, toute seule là-bas à Yerushalayim, et il est mort Erev Sukkot. Et c'est comme ça, c'est ça la vie d'un homme, d'un Breslever Chassid, d'un élève de Rabbi Nathan. Et on raconte sur Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali. Que sa mort, Rabbi Nachman de Toulchin, il a dit, comme une parabole, il a dit, il y avait un homme où il avait une très très grande, un très très grand magasin. Et dans ce magasin, il avait besoin beaucoup de poalim. C'est-à-dire, il avait besoin beaucoup de personnes qui puissent gérer tout le magasin. Un, il avait une spécialité avec les gens, l'autre avait une spécialité avec l'argent. Un, il avait une spécialité comment faire. Chacun, il avait une spécialité spéciale. Et il a dit Rabbi Nachman Toutchin, et bien Rabbi Ephraim, c'était un des travaillants de Rabbeinu HaKadosh, une des plus importantes. Et maintenant qu'il est mort, il y a un très grand trou dans le magasin. C'est comme une parabole qu'il a dit. Et là on comprend, c'est de la grandeur de Rabbi Ephraim de Rabbi Naphtali. Et c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Nachman Toutchin. Rabbi Nachman Toutchin, ce n'était pas un homme qui allait travailler. C'était un homme qui a été mafkir le monde en entier. Qui n'avait rien dans ce monde-ci. Il a dit ça sur Rabbi Ephraim, c'était un homme qui allait travailler. Imaginez-vous la grandeur de cet homme-là. Pour raconter une dernière histoire sur Rabbi Ephraim, un jour Rabbi Ephraim, c'était Erev Rosh Hashanah, ils sont venus tous à Ouman, et Rabbi Ephraim il a demandé s'il peut monter à la tefila de Mincha pour prier la dernière prière de l'année, la Mincha de Erev Rosh Hashanah. Alors tout le monde lui a dit, Bechavod, il n'y a aucun problème, Bechavod, avec une grande joie, vas-y monte. Il a commencé à monter, il a commencé à dire le Kaddish, ils ont fait la Hamida, et quand il a commencé à faire la Chazara de la Hamida, Rabbi Ephraim ben Rabbi Naftali, il a essayé avec toutes ses forces de se retenir, de ne pas pleurer, mais il n'en pouvait plus jusqu'à qu'il s'est complètement explosé. Il a commencé à pleurer,
Il n'arrivait pas à s'arrêter. Comme ça, pendant 20 minutes, il était en train de pleurer, de pleurer. Il était presque à court de voix. Il ne pouvait plus espérer, plus rien. Après que la prière elle s'est terminée, ils sont tous venus chez Rabbi Ephraim. Ils m'ont dit, écoute, Rabbi Ephraim, tu as prié une très grande prière. Ça nous a fait vraiment réveiller. Mais ce n'est pas pour toi d'être un chazan. Parce que tu t'enflammes, tu n'arrives pas à te retenir, tu t'enflammes complètement, tu te laisses aller. Et c'est très dur pour un chazan, il doit être normal. Donc de là, on voit Rabbi Ephraim, c'était ça Rabbi Ephraim, c'était la voix d'Atachem. C'était chaque prière, c'est une prière, chaque mot, c'est chaque mot, c'est chaque chose, c'était une grandeur. On ne peut pas s'imaginer, c'est ça la grandeur de Rabbi Ephraim. Et Iratson, vraiment, que Dieu puisse nous aider, vraiment, qu'on puisse apprendre et vivre comme eux. Qu'on puisse surtout pas d'oublier ces histoires. Que ces histoires-là puissent toujours être nouveaux, qu'on puisse voir ces histoires-là à chaque fois de nouveau et de nouveau, comme c'était la première fois qu'on l'a entendu, pour qu'on puisse avoir cette force de se conduire comme ça, pareil, et d'être attaché et annulé complètement à Tzadikim, à Rabbeinu Akadosh et à Rabbi Nathan et à leurs élèves. Et que grâce à ça, on puisse faire la bonne volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu puisse être content de nous. Et que les Tzadikim puissent être contents aussi de nous. Qu'on ne fait pas honte à Rabbeinu Akadosh et à Rabbi Nathan de comment nous on est. Amen, vraiment.